Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour montrer la caillou pour me porter pour toute dernière information à travers le pays d'Haïti, tant que l'autre bord de l'eau. Jeudi, nous c'est jeudi 18 avril 2024. Bienvenue dans la quatrième édition Journal Créole. Nous avons présenté par un ami Jerry Cherestal en collaboration avec VOA Créole. Actualité sous plan national, suspense nan, toujours à continuer avec un sous-conseil, installation conseil présidentiel. Transition qui t'a supposé installer après deux arrêtés paraître dans le journal Le Moniteur. Actualité a toujours sous plan national, eh bien, gagné plusieurs bandits qui déjà arrivaient attaquer commune Kafou jeudi a, plusieurs moun déjà fait voile pour pays sans chapeau. Gagné dans pays États-Unis, ancien président américain Donald Trump lui-même paraît une énième fois jeudi a, devant tribunal dans le cadre d'un procès criminel pour que lui-même soit capable non seulement de paraître et li possible, amis internautes, pour que capable de faire formation jury pour poser cela. C'est tout pour ça, avec divers autres, nous allons gagner pour nous développer pour vous dans le journal ça. Restez connectés avec nous de façon pour bien informer. Une autre fois encore, bonsoir pour nous tous et bienvenue dans le développement journal ça. Gros suspense dans le pays d'Haïti sous conseil avec question conseil présidentiel en transition après deux arrêtés fin souti et bien présenté dans le journal Le Moniteur et dans le moment n'a pas le conseil présidentiel en transition a préparé pour que lui-même soit capable d'installer dimanche cap venir là si toutefois pas ta gagné contrariété et jeudi a conseil présidentiel là te gagné pour chita ensemble avec Premier ministre AIA qui c'est Michel Patrick Boisvert pour que capable et bien préparer fait gros travail sous cadre installation conseil là qui supposé faite et ensuite ensemble avec Sakirlo et sécurité pays d'Haïti. Entre-temps, gagné conseil à lui-même qui pendant la chita ensemble avec Premier ministre Michel Patrick Boisvert, gagné plusieurs commissions qui au même yo va gagner pour yo capable chita sous lui, yo façon capable préparer et bien installation conseil ici là et commission ça yo a gagné sous commission logistique, sous commission protocole, sous commission sécurité et sous commission passation de dossier et ces quatre commission sa yo, yo pral chita sou yo pou kapab travay constamment et que sa ke lo installation conseil présidentiel là li kapab fèt nan jou kap vini la et genyen bandi yo tout bon côté pa yo, yo même yo ta vle sementer 7 fois 77 fois pour que yo même yo kapab genyen représentant yo nan pouvoir ça qui nan qui c'est conseil présidentiel transition. Entre-temps qui te me dit pendant conseil ça lui-même li a installé gagné ISO bon côté parle avec tout petit monsieur vivant ensemble yo tout yo commencé à préparer yo pour que même yo capable simen la toublay et gagné France LB bon côté parle lui-même qui a préparé pour que capable bail yon sécurité extrême pour que installation ça capable rive fait amis internautes dimanche cap vini là cap 21 avril 2024. Jodi a bandi aksam attaqué commune Kafou, yon situation moun yo vivant, yon situation panique la côté depuis aux environs de 5h du matin, plusieurs nèg aksam envahi commune Kafou, passé dans plusieurs parages, dans plusieurs endroits, dans rue, dans impasse, dans corridor, et bien avait yo même y a fait patrouille et fait comprendre à tout moun ki trouvé yo en dedans commune, l'école pas fonctionner, pas gen activité business, pas gen activité transport et toute activité était paralysée jeudi à en dedans commune Kafou. N'a pas rappelé dans mois qui s'est passé côté que bandit était déjà envahi commune là et bien Jude Edouard en tant que magistrat en dedans commune ça t'es lancé SOS à la police pour capable porter secours ensemble avec population. Et bien jeudi à bandi ont envahi commune là, ils ont commencé tirer en pile coup de balle tap chanté et déjà amis internautes te gagné environ 8 moun qui perdi la vie, 8 moun fait voile pour pays sans chapeau et parmi tout 8 moun sa yo gagné 6 qui mouri nan yon sel endroit pendant gang yo envahi commune Kafou jeudi a. Entre-temps n'a invité yo que capable tande comment situation li même li teye avec coup de balle qui tap chanté nan commune Kafou jeudi a. Oh, yes.
que je te prie, sauve-moi. Oui, Jésus. Jésus. Oui. Voilà. Jean Soutandéa, c'est comme ça, situation lui-même, l'ITE, dans la commune Kafou. Je dis à une situation qui était extrêmement compliquée pour les gens qui vivent en de la commune, yo même qui pas trouvé qui c'est pour aller, si pour monter, si pour descendre, mais tout de même, ils étaient obligés de rester dans l'endroit qui y a parce que les bandits eux-mêmes ont mis dans une situation qui n'est pas capable ni faire à droite ni faire à gauche et gagner 8 personnes qui vivaient mourir dans le bloc Wane 93. Et pour ta descendre, puis bat toujours, et bien bandit, tu es dans un endroit ça, et bien population, les mêmes, les obligés, rester dans telle situation pareille. En dedans, Jérémy, et bien situation, les mêmes, les pas changé, il y a un latrier bandit qui mourit, et c'est un drame qui est fait en dedans, Gastillon, qui c'est une commune en dedans, Jérémy, dans la localité Gastillon, en dedans, deuxième section. Communal dans commune Jérémy, il y a eu bien plusieurs bandits qui fait voile pour payer sans chapeau ak yon dizaine de paysans qui rivaient tomber et en bas coup de balle bandi. Et bien action ça arrivé faite, c'est après amis internautes yon programme rara qui te gagné, plusieurs bandits entrés dans rara ça et lorsque au même yo entré, situation te vinn paraître un petit peu compliqué, on la trié bandi te fin mouri et yo retourné après quelques jours dans yon mois côté que yo vu entrer dans localité Gastillon côté que yo touyé plusieurs individus et la police bon côté parle mélangé ensemble avec population et bien fisye yo mettez yo à terre et là ou vinn joindre population rache yo tant kou viande qui sous table marché en bas. Ensuite, yo boule yo, et bien situation ça te paraît extrêmement compliqué. Et pendant bandi yo rive nan endroit ça, nan localité Gastillon, et bien plus que yon cinquantaine nan fami kouri kite kayo même gens ensemble avec quand il a pris lorsqu'il te kouri des moun ka vous fait, yo obligé aller kite kayo, et bien al prend refuge sous place Jérémy en dans deuxième section communale en dedans Jérémy. En tout temps, nous on a parlé là, situation toujours été compliquée en dedans Jérémy. Mounio, quoi que gagne qui t'a fait fonti paraître, mais jusqu'à présent, en rien pour que j'aime dire, comme quoi que plus tard, entrer la caillou parce que yo même yo wè l'an mort en face. De l'autre côté, madame, mademoiselle et messieurs, gagne secteur privé en dedans pays d'Haïti, yo même qui mette tête ensemble, écrit yon lettre à président William Ruto, lui même qui c'est président pays Kenya, et bien après que lui même était fin signé yon contrat ensemble avec yon accord ensemble avec Premier ministre Ariel Henry pour que lui-même il t'a entré dans le pays d'Haïti pour qu'a voyer soldat yo dans le pays d'Haïti et jusqu'à présent rien pour que j'aime fait mais pour capable gagner installation ça et en dedans pays d'Haïti installation conseil présidentiel en transition et bien secteur privé lui-même bon côté parlant qui voit qui quantité ça qui bagaille que lui-même li perdu et bien mandé ensemble avec président William Ruto qu'il est capable et bien fait tout ça qui dépend de lui capable envoyer force multinationale dans pays d'Haïti on va pour que capable gagner bon gens sécurité dans pays d'Haïti avant conseil ça lui-même l'arriver installé dans pays d'Haïti et pour aller plus loin yo même fait président Ruto connaît yo pas qu'attendre encore parce que force ta lui-même c'est seul moyen qui est capable aider population haïtienne à joindre Timoso sécurité. De l'autre côté, madame, mademoiselle et messieurs, c'est tout côté bagala lui-même li mélangé. Et bien jodi a gagné pays les États-Unis, yo déporté 52 haïtiens et bien nan aéroport international au Cap là. Et bien 52 haïtiens sa yo, c'est a yo série de moun qui t'ai trouvé yo, qui t'ai gagné problème ensemble avec la loi américaine et gagné tout qui t'ai sorti en dedans pays Mexique pour tomber dans pays États-Unis illégalement parlant et bien rivé qui arrivé et bien jodi a pays États-Unis choisi pour qu'il capable déporter 52 moun sa yo et en pile là dedans fait qu'on yo résigné yo retourné dans pays d'Haïti mais c'est pas qu'on y a jeune sécurité c'est pas moyen yo connaît y a gagné mais entre-temps yo résigné yo pour que même yo capable retourner dans pays d'Haïti OIM en bon côté parlant OIM et bien bayan à chaque moun sa yo 52 moun sa yo yon enveloppe pour que même yo capable essayer battre pour arriver la caillou si toutefois bagala li même li t'arrivé pi mal.
Actualité a dans pays États-Unis gagné ancien président Donald Trump lui-même dans moment n'a parlé là li passé li sorti dans tribunal jeudi a yon énième fois pour ne pas dire c'est troisième fois dans cadre procès criminel là et bien Donald Trump lui-même qui gagne gros accusation qui pesait sous dol comme quoi que c'est à yon nan moun qui gagne 34 cas accusation criminel et bien pour forcer ou faux dossier dans sens ça faux dossier business et gagné puisque tout cas accusation ça au même yo lancé contre ancien président républicain Donald Trump et bien li rivé possible pour le ta passer et bien 4 ans prison dans le cas aussi toutefois les mêmes li ta rivé condamné dans prison zami internaute. En tout cas, la situation n'est pas tant compliquée pour Donald Trump lui-même qui pourrait aller dans élection ensemble avec Joe Biden dans le mois de novembre cap vini là et c'est une gros poids qui pesait sous dol et qui aidait Joe Biden tout qu'il capable et bien j'ai une chance pour qu'il capable remporter élection si là et bien à cause des gros dossiers ça yo et bien surtout dans ça qui gagne ouais ensemble avec un action criminelle et Joe Biden et Donald Trump lui-même qui pesait sous dol et gagné c'est pour la première fois d'après toute dernière information qui est arrivé joindre nous dans salle des nouvelles et bien c'est premier président dans pays États-Unis qui est arrivé à passer devant la justice pour dossier criminel. Voilà madame mademoiselle et messieurs nous content pour nous voter pour gros journal ça toujours été connecté avec nous sous page papa des salines non gros média gros bout de tonton média mais quand pour nous-mêmes nous chapper pour nous n'a quitté ensemble avec la voix de l'Amérique pour plus de détails et pour plus d'informations. Washington, moi c'est Jacqueline Belizère. Yon plaisir, yon l'autre fois encore pour ensemble pour nous présenter yon programme en langue créole haïtien. Quelques grands points cap dominé actualité. Actualité internationale, Israël continue à mener attaque ni sous Gaza ni sous groupe Hezbollah dans Liban pendant la Russie mandé pays dans région Moyen-Orient rete loin conflit Israël Hamas ak Iran. États-Unis ancien président républicain Donald Trump retourné jodi a dans tribunal dans cadre d'un procès criminel qu'on y a eu dans phase formation yon jury. Haïti suspense la a continué sous installation conseil présidentiel transition malgré deux arrêtés qui paraissent dans journal officiel pays a le Moniteur. C'est pour ça yo avec l'autre encore nous va le développer pour dans un petit moment. Actualité a mené d'abord dans le pays d'Haïti que côté conseil présidentiel de transition d'après nouvelle yo et ben a multiplié démarches dans tête collée avec gouvernement démissionnaire là pour installation qu'a fait dans jour qu'a venir là. Nous va rejoindre correspondant dans Port-au-Prince Yves Manuel. Environ 24 heures après publication arrêté qui nommé membre conseil présidentiel yo, membre organe exécutif ça a multiplié rencontre yo dans l'idée pour préparer installation yo, c'est ça yon source nous capable faire confiance fait connait. Pour qu'on gagne date exacte pour cérémonie installation dans palais national, ça ta doit fait dans prochain 3 à 4 jours le temps pour préparatif qui nécessaire yo fait selon sa source l'a souligné. Même sous cela qui pas de venir le citer fait qu'on est corps diplomatique là à classe politique là et même chef gouvernement CARICOM yo a invité dans cérémonie installation de l'autre côté nous apprend tout même conseil présidentiel là déjà créé une commission passation pour voir 9 membres qui désigné bon côté 9 conseillers présidentiels yo conseillers présidentiels yo déjà mis en place 4 sous-commissions pour planifier installation et passation pouvoir, c'est sous-commission, protocole, logistique, sécurité et passation dossier. Plus loin, contact nous a révélé que même CPA déjà voyé une correspondance avec 9 secteurs qui impliquaient dans la formation conseil présidentiel là. Côté lié vidéo, désigné à eux même chaque un premier ministrable dans le cadre choix prochain premier ministre là. Il m'a dit tout, secteur femme, diaspora et la jeunesse pour soumettre eux même tout deux noms. Entité sa yo gen un délai qui relativement court pour soumettre choix yo. Yon nan pouvoir conseil présidentiel transition c'est nomination yon premier ministre qui pral remplacer premier ministre démissionnaire Ariel Henry. N'a pas rappelé 12 mars qui s'est passé là, docteur Ariel Henry t'a annoncé démission li dès que conseil présidentiel là installé. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole.
Et pendant ce temps, gagnait plusieurs organisations sociopolitiques qui souhaitaient que les responsables ont fait un chit attendé. Puis précisément, Conseil présidentiel transition fait un chit attendé avec groupe Améo pour faciliter l'installation déroulée sans problème dans le palais national. Renan Toussaint, depuis Port-au-Prince. Organisation jeune pour développement d'Elma, Rassemblement jeune progressiste d'Haïti, Unité jeune pour avancement pays, ak groupement Liberté pour sa changer, c'est quelques parmi plusieurs dizaines structures sociopolitiques proches famille Lavalas qui regroupent tête en bas chapeau Résistance pour Haïti que professeur Patrice Célestin a dirigé côté le partager l'idée comme quoi pour membre conseil présidentiel transition t'a cherché joindre une formule appropriée à présumé bandit Améo pour favoriser installation CPA dans le palais national. Monsieur Sayo, pas oublié, même toujours dit, dans moment là, c'est le vent, c'est la pluie, c'est diffé. Ça, ce sont des forces naturelles, nous ne pouvons pas avec eux. Nous-mêmes, nous toujours évoqué au niveau des ressources pour Haïti, quelle que soit la formule qui est possible, pour les nouveaux dirigeants joignent, pour rejoindre ici avec eux, nous-mêmes, nous votons. Ça veut dire, si pour conseil à installer, préalablement, si même conseil, il faut que j'aie un couloir pour chiter avec eux, pour permettre de parler à. Ok, lui joindre une possibilité pour qu'on sait la fête. Quelle fête? C'est pour la bonne cause, c'est pour le bien-être du pays. Bolivar Jean-Anderson, coordonnateur général groupement Liberté pour sa changer, souhaitait conseil présidentiel transition installer week-end ça même pour être capable de répondre à qui ont ces défis d'un coup. Question insécurité, question grand goût, question rentrée des classes, là, question relouvrir université dans le pays, question accès à soins médicaux, question fatra, ça c'est le principe et c'est le principal et priorité pour les populations hein, vu que toute route nationale nous route secondaire tout barré, faut conseil à venir avec une solution qui permet que population rive jeune souffle et vacuer avec occupation. En tout cas, c'est un dossier qui kembe actualité en Haïti qui n'absurde pour vous. Renan Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Donc, c'est plusieurs réactions qui ont sorti sous conseil présidentiel transition. Pour l'autre réaction, encore, nous allons rejoindre Fred Kaimit. Moun Port-au-Prince partage qui est sorti sous création nouveau conseil présidentiel transition Haïti. Qui gen pour mission choisir un nouveau premier ministre, kap gen pour choisir à cli un nouveau cabinet ministériel. Après journal officiel PIA, Le Moniteur, soti yon arrêté pour annoncer membres qui fait partie conseil présidentiel là. Population ont espéré que premier ministre Ariel Henry tap démissionné après publication arrêté sous formation conseil présidentiel là vendredi 12 avril passé. Mais premier ministre Ariel Henry lui-même t'a déjà annoncé dans date 11 mars 2024 là, l'a démissionné. Les gens ont un nouveau premier ministre et un nouveau gouvernement. Le gouvernement que m'a dirigé a retiré l'école immédiatement après l'installation du conseil. Ça. Il a continué à expédier affaires courantes jusqu'à ce qu'il désigne un premier ministre et un gouvernement. Quelques membres de la population ont exprimé espoir, mais avec précaution yo, après Le Moniteur a annoncé non membre qui a fait partie du conseil là. Parmi les gens, nous jouons Oseus Franzi avec Johnny Walk qui est un professeur de l'école. Pour le conseil, il y a quelques membres qui la donne. Mais on se baganda et nous avons avec sécurité pays. Pour espérer le conseil, ça libéral fait mieux, libéral travail pour voir comment il est capable. Et établir stabilité dans le pays, mettre sécurité dans le pays, parce que c'est ça la besoin, nous pas besoin pile. C'est stabilité, c'est sécurité pour nous capables de vaquer à l'occupation. Nous avons vivre dans le pays. Nous. Mais instabilité, insécurité qui est là, rend nous la vie dure, ça fait nous survivre dans le pays, mais nous survivre. D'après accord pour transition pacifique et ordonnée en diverses parties qui travaillent dans la formation conseil là, les gens qui font partie conseil là,
patadoui en bas sanctions Nations Unies et yo doué d'accord avec déploiement force multinationale là. Et membre conseil membre gouvernement pas capable d'approcher élection qui pour dérouler dans pays d'Haïti. Entre-temps, plusieurs membres dans secteur d'affaires haïtien dans une lettre te voyé semaine ça by président Kenya William Ruto te exprimé que sauté qui gagne en retard pour déploiement force que Nations Unies a payé et gouvernement Kenya promet pour prendre tête mission cap gagner pour venir aider Haïti faire face à sécurité violence gang armée. Merci Fred et Kaimit. Actualité a mené nous dans Fort Liberté, toujours dans réaction concernant Conseil présidentiel transition. Le coordinateur communal IPAM dans Fort Liberté, M. Francillon, cher enfant, salue arrivé Conseil présidentiel transition. Jodelet Junior Saint-Ville, gain détail. Dans une interview li bay VOA Creole jeudi 18 avril 2024 la, coordonnateur communal initiative patriote marien IPAM monsieur Francis Locherenfin salier publication arrêté qui nommé conseil présidentiel là. Li di yo te fait proposition ça déjà depuis na Ako Montana. D'après monsieur Cherenfin, c'est un pas important nan route pour joindre une solution à crise pays a traversé depuis bien longtemps. Bien longtemps nous te poussant, c'est ça fait nous te en tant qu'association, organisation, nous avons dirigé nous vers IPAM pour au moins nous avons entré dans Montana et nous avons fait une proposition. D'ailleurs, c'était correct. Et finalement, nous avons proposé un collège présidentiel. D'ailleurs, les gens qui sont dans le monde considèrent que la moitié de nous, c'est des réserves pour payer. C'est des gens qui pas participé et dans d'écraser paysan faut dit ça. Coordonnateur communal IPAM nan monsieur Francis Locherenfin rapossible pour le dire. Défi captain conseil présidentiel là en pile. Mais selon lui-même, conseil là ta doit considérer trois gros priorités ça yo. D'abord, on pas d'accord pour conseil là aller entre tête baissée et en dans et l'état ça que Ariel déjà détruit, c'est crime à droite, crime à gauche. Ou crime de sang, crime financier, tout d'abord, il faut une commission qui, normalement, fait entre mission pour contrôler les finances pays. Il faut qu'on bagage qui fait, il faut tenir compte de la situation navire, surtout insécurité, gang qui prend pays. Et troisième grande décision, Nathan, c'est qu'il veut faire élection pour permettre que le président régissime montant dans le pays et Nathan une élection inclusive. Démocratique et honnête. Jodelet Junior Saint-Ville, depuis Fort Liberté, pour VOA Creole. Toujours dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, autorité immigration américaine voyait tourner 52 citoyens haïtiens dans l'aéroport cap-haïtien. En pile dans yo, fait connaître à Glonanger, yo tourner Haïti. Yon reportage, Gérard Maxino. Il y a zone, il y a ça, lorsque le premier groupe rapatrié te descend avion ça. Que autorité américaine ont fait pour mener au tourner dans l'aéroport international cap-haïtien côté plusieurs policiers étaient présents sous piste atterrissage. Coordonnateur régional Office national migration ONM Kevin Augustin fait connaître que ces 52 compatriotes qui tournaient jeudi 18 avril 2024 dans la ville cap-haïtien. Jeudi, États-Unis d'Amérique déporté 52 compatriotes haïtiens dans l'aéroport cap-haïtien. Il y a plusieurs, il y a filles, il y a garçons qui étaient en contravention avec la loi américaine pour des actions diverses. Selon responsable là, c'est pas pour la première fois que autorité américaine voulait rapatrier tourner dans l'aéroport au Cap. L'année dernière, au Cap nous avons reçu près de 20 vols de déportation aux États-Unis. Des gens qui ont été sous frontière Mexique qui ont fait tentative pour rentrer aux États-Unis. C'est pas la première fois que ça a fait dans l'aéroport Cap ici. Plusieurs rapatriés ont fait connaître, ils ont sorti Texas. Après avoir fini passé, il y a un petit bout de temps dans le pays du Mexique. Moi, j'ai fait plusieurs mois que je vis en Mexico. Après une violation, j'ai quitté le Mexique et j'ai entré aux États-Unis. Quelques temps déporté, posez peut-être une question. Qui ça a fait en Haïti, un pays où j'ai couru quitter quelques mois avant? Comme c'est pays lié, c'est déporté ou déporté, je m'oblige de venir là-dedans. Mais, aussi, je suis retourné en Haïti avec Glonanger parce que moi j'ai quitté le pays, c'est parce que moi j'ai subi. Et on va faire des bagailles. En Haïti, ça fait que je quitte Haïti. Malgré ça, je connais avec. Il y a qui est bien serré. On se fait une bonne sécurité. Organisation internationale migration OIM, by chaque rapatrié, il y a une enveloppe
pour capable tourner la caillou. Gérard Maxino, Cap-Haïtien pour la FAD d'Amérique. Merci Maxino, ancien président républicain Donald Trump, te paraît jodi encore dans le tribunal dans New York. N'a pas retourné sur ce sujet ça dans un petit moment. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer tant que nous t'ai annoncé le nombre dans New York côté que ancien président républicain Donald Trump paraît dans tribunal aujourd'hui dans cadre yon procès criminel et yon nan niveau côté que y a formé et jury a. Nous gen sous place dans New York Valérie Saint-Louis. Donald Trump est arrivé dans le tribunal là pour 4e jour pour assister au processus sélection jury qui a continué dans le jugement criminel ça que la justice dans New York a mené contre lui. Le prosecuteur qui travaille sous jugement criminel contre Donald Trump a demandé pour l'ancien président payer une amende de $3,000 à cause de 7 messages que il a posté sur réseau social li, côté que dit que il violait l'autre babouquette ça que un juge tabali qui empêchait l'attaquer ou soit intimider témoin yo. Mardi passé, à 7 mois, jury a prêté serment pour servir dans le panel ça qui pourrait décider sous premier cas criminel contre un ancien président américain. Mais jeudi 18 avril, le processus sélection jury a été fait un petit campé. Les yon dans cette jury qui te gain tant choisi et qui te prêté serment, te éliminé après que le avoué tribunal là que le pas croit que le gain capacité pour impartial dans premier cas criminel ça contre un ancien président. Même jury ça qui éliminé, c'est yon infirmière. La justice qui est non jury confidentiel. Mais dame infirmière te dit que même membre famille ak zan milio te posé le question sous capacité pour remplir rôle jury. Révocation jury ça qui te 6 membres toujours sous panel là jusqu'à présent. Dans parmi même jury yo nous joignent un ingénieur logiciel, un professionnel technologie information, un professionnel dans affaires la vente, un professeur anglais avec 2 avocats. Après que le terrain voit jury, juge Juan Merchant te bas journaliste dans tribunal là l'ordre pour pas rapporter réponse que candidat pour venir même jury bail les opposer aux questions sous travail yo, patron actuel yo ak ancien employé yo. Toujours manquer 12 autres monde qui t'a doué prêter serment comme même jury a. Mais juge l'a dit que le toujours espéré faire déclaration ouverte jugement semaine prochaine aussitôt que yo joigne 12 autres membres yo. Pendant ce temps ancien président Donald Trump t'est rencontré hier mercredi dans New York avec président polonais Andrzej Duda qui t'est commencé visiter aux États-Unis avec une réunion avec secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres. Président Duda c'est un gros supporter Ukraine et il encourage Washington pour bail Kiev plus aide dans mitan invasion la Russie qui a continué. Candidat parti républicain te recevoir président polonais Andrzej Duda dans un dîner que t'est organisé pour lui dans Trump Tower. Dans le moment que t'a recevoir invité de Mark Lia, Trump t'est fait louange président polonais. Il dit nous reconnaître monsieur ça, il fait un coquin travail. Peuple dans pays Pologne remel. Yo réellement remet où et c'est pas un bagage qui facile pour accomplir mais li te fait un coquin travail et puis ses amis personnellement nous t'ai passé 4 gros années ensemble nous kage pour nous faire ça encore oui merci tout le monde. Thank you very much everybody. Gen quelques observateurs dans pays Pologne qui étaient inquiétés que visite ça kay Donald Trump ta ka affecter relation pays Pologne ak administration président Joe Biden. De toute façon Donald Trump a fait face à 34 accusations criminelles pour faux dossier business. Li ka fait face jusqu'à 4 années dans prison si yo arrivé condamné. Même s'il n'est pas clair que le juge d'attaque a choisi mettel derrière barreau qui veut dire en prison, il est presque certain que Donald Trump pourrait faire appel contre n'importe condamnation que la justice tabali. Cas criminel ça c'est une cas poursuite criminelle que Donald Trump a confronté pendant que la gourmet pour l'ouest s'il t'a retourné à Chita sous chaise bourrée dans maison Blanchan. Mais il est possible que c'est pas le seul cas ça qui a guetté arrivé dans jugement avant élection présidentielle en novembre prochain. Discussion légale ak appel te la cause Rita dans l'autre cas que la justice retenu contre ancien président Donald Trump. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. N'abrite toujours ici aux États-Unis, Sénat a voté pour passer en papier à tique mise en accusation secrétaire de sécurité territoriale les États-Unis en parlant de Alejandro Mayorkas. Sergio Rodriguez, abdi-nous plus. Sénat américain a voté pour rejeter l'article mis en accusation contre le secrétaire de sécurité territoriale Alejandro Mayorkas. C'est comme ça qu'il a été clôturé pour ce hier mercredi, quand il a accusé Mayorkas d'être qu'il n'a pas bien géré les frontières États-Unis partagées avec Mexique. Le leader minorité républicaine dans le Sénat États-Unis, Mitch McConnell, a exprimé mécontentement par Tilia sur le dossier. Collègues, nous connaissons nos obligations pour prendre le processus au sérieux. C'est ça seulement nous prêter à mandat.
arrêté. C'est ça l'histoire précédente exigée. Moi, t'as encouragé toutes collègues nous pour prendre en considération sa constitution exigée. Dans ce sens, ça. Sénateur républicain État Texas, Ted Cruz, t'y abordé question en tout. Position président Sénat a demandé pour sénateur voter vite et pressé, une façon pour éviter argument sur point ça, eh bien, ça pas bon. Seule façon raisonnable pour résoudre question ça, c'est à travers débat qui prend en considération loi qui est en vigueur à constitution pays. Sous bon paillot, parlementaire démocrate dit à Tikyo, pas de rapport à la Constitution. Sénateur Chuck Schumer, c'est président chambre haute États-Unis. We gave your side nous avons républicains l'opportunité pour faire débat en public. C'est là ça doit être fait. Et vous n'êtes pas d'accord. Nous avançons plus devant, pour n'y aller. Chambre des représentants États-Unis a voté avec une majorité tout mince en faveur de mise en accusation secrétaire de sécurité territoriale Alejandro Mayorkas. Député républicain a été plaint pour dire Mayorkas de refuser d'appliquer la loi immigration aux États-Unis, du moins c'est ça qui a révélé la mise en accusation. Pendant ce temps, Mayorkas dit qu'il a centré l'attention sur le travail du département qu'il a fait dans le domaine immigration. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Et puis, quand on est dans la région Moyen-Orient, qui c'est une région qui est très chaude dans l'actualité internationale, là, c'est comme ça, les États-Unis lui-même l'a annoncé, nouveaux sanctions contre l'Iran qui ciblait secrétaire économique avec programme drone régime. Et Jean-Robert Philippe, sanctions sérieuses, tu as un rapport avec l'attaque que l'Iran fait samedi, qui se passe là, samedi pour vers dimanche, contre Israël. Là. Effectivement, Jacques, comme je dis, la dernière décision ça a montré que l'Iran prend un veto avec la communauté internationale là, après l'attaque qu'il a fait sur Israël samedi passé. En plus des États-Unis, il y a tout la Grande-Bretagne qui peut coller tout dans le fort pour mettre sanctions sur l'Iran. Il y a tout l'Union Européenne tout, qui lui-même tout, qui est envisagé pour mettre sanctions tout sur l'Iran sur question là. Et le département commerce américain lui-même, il a annoncé non. L'autre annonce qui fait que lui-même, l'a imposé sanctions tout contre l'Iran, mais dans un niveau qui est technologie qui n'est pas trop élevé. Ça veut dire que l'autorité iranienne, elle-même, est capable, il y a possibilité pour être capable de réévaluer encore les programmes et missiles nucléaires. Jean-Ursula Vladimir Poutine demande des partis qui sont en conflit dans le Moyen-Orient pour éviter pour une action qui est capable de déboucher sur une nouvelle confrontation et puis éviter des conséquences graves dans la région. Vous parlez de случае прямого конфликта, я и собственно и нынешнюю ситуацию не назвал бы косвенным конфликтом. Porte-parole Kremlin Dmitri Peskov pas de répondre à question pour qu'on ait si oui ou non la Russie a supporté l'Iran tant que Bali assistance technique militaire si Zokat a gagné un conflit direct avec Israël. Monsieur Peskov parlait pour dire si n'a parlé de conflit direct entre Israël avec l'Iran, moi pas capable qualifier conflit actuel là comme indirect. Les consulats d'un pays détruit et bien il est capable difficile pour qualifier comme un conflit indirect. Sous question pour connaître si oui ou non Téhéran était avec la Russie avant l'attaque samedi sur Israël, porte-parole n'a pas voulu faire aucun commentaire sur question. Mais il a ajouté, non pas même voulu parler sur escalation conflit. Des contre intérêts Israël, Iran avec région en général. Fédération russe là était en contact serré, constructif avec Iran, même Jean n'a fait avec Israël. N'a mené un dialogue sur nécessité pour désescalader la situation. Nous demandons à tout pays dans la région pour être loin du conflit. Well, it's right to be in here in Israel today to show solidarity after that appalling attack by Iran. We made clear. Bon, on parle ministre des étrangers britannique, David Cameron, qui a parlé avec journalistes dans Jérusalem, déclaré mercredi 17 avril là, dit clair, Israël a pris une décision pour y agir en réponse à l'attaque drone et missile balistique Iran a lancé week-end passé à contre Israël. Chef diplomatie britannique là dit lui espérer attaque Israël là capable faire une façon pour conflit à pas dégénérer. Tension t'est augmentée dans Moyen-Orient depuis Israël t'est commencé opération militaire dans territoire Gaza dans mois octobre 2023. État hébreu avec allié les États-Unis pas jamais suspendre en bouche l'ouvrir non seulement avec Iran mais tout avec groupe allié lio dans Liban, Syrie et Yémen. Département du Trésor américain, beaucoup de parle, a annoncé jeudi 18 avril là, nouveaux sanctions qui ciblaient, dégradaient et puis dérangeaient le programme drone iranien qui dévisait civils en Israël. Décision ça prend en réponse avec dernière attaque aérienne contre Israël. L'administration Biden a utilisé sanctions économiques au lieu de sanctions militaires contre le régime iranien. Jean-Robert Philippe,
VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe, il y a un analyste qui dit que eh ben gan pile dans pays dans côté que on prend sanction contre compagnie, eh ben yo même yo pas même dans sous juridiction américaine. Yon l'autre point d'actualité a pour ran zam bandi t'a utilisé pour semer la trouble dans population pays Pérou, eh ben autorité ont transformé zam yo te saisi pour année 2023 pour faire parc public avec gymnasium pour citoyens paisible. Gentil Augustin Junior. Autorité dans le pays Pérou transformé métal qui sorti dans plusieurs milliers d'âmes yo te saisi pour faire un parc public ak yon gymnasium dans Sid Lima pour prendre l'autre direction dans bataille contre insécurité ya. Estos juegos que están hechos de armas. Espérer que moun yo pral servi ak parc la bien. Parc la te fait ak zam que yo te fond après yo te fin saisi yo nan main criminel yo. Nous espérer que ça pral aider diminuer crime et puis faire parc la pi en sécurité. Pues no, acá en el parque. Autorité yo fait konnen, yo te fond plus passé 6000 zam pour créer balancine ak machine pour faire exercice avec zam que bandi yo te kon utiliser pour si mais la trouble nan mitan population. Todo el tiempo asaltando la gente. Yo te attaqué et intimidé moun ici là tout temps, même si genyon l'école qui tout près ya. Moi pensais que l'état bon pour yo bay zam yo kon utiliser pour faire crime yo, yon l'autre alternative. Pour pouvoir delinquir. Julio Peña qui c'est un résident qui content pour initiative ça fait qu'on est si zam sa yo pa détruit y a retourné nan men bandi yo encore pour yo continuer créer problème nan mitan citoyen paisible yo. Sarma non la fonde zo. Si zam yo pa détruit, criminel yo pral continuer servi ak yo. Et puis à long terme, problème nan pa résoudre. Tout zam yo saisi yo, yo doit détruit. Ça c'est seule façon pour empêcher zam yo al tomber nan men l'autre criminel yo. Ayer mercredi 17 avril 2024 là, ti moun ak gran moun té capable jouer nouveau équipement dans quartier San Juan de Miraflores, une zone qui pi affectée par violence dans province Lima. Dans l'année 2023, Pérou a détruit plus passé 21 000 âmes, yo te saisi dans tout pays ya. D'après autorité yo, yo pral bâti de l'autre parc dans Lima ak zam yo détruit année passée ya. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Et puis jeudi à ce jeudi, nous gain rendez-vous avec Cause Femme. Et bien Sandra Le Maire a présenté nous un jeune joueuse basketball qui soulevait en pile attention, en pile sensation ici aux États-Unis. Joueuse basket universitaire Caitlin Clark, ses nouveaux chouchous, Ligue professionnelle basketball femme États-Unis, WNBA, WNBA. Mamzelle sorti numéro 1 dans le tirage au sort, yoté fait chaque année pour choisir nouveaux joueuses. Caitlin jouait pour équipe Université Iowa. C'est équipe professionnelle Indiana Fever qui t'a choisi pour venir jouer pour lui. Mamzelle dit, il était rêvé de moment ça, des puis il était dans l'école primaire. Well, I think the biggest thing is like the WNBA is so competitive right now. Every single time you step on the floor. Le dit quoi plus gros bagaille là, c'est que WNBA est très compétitif kounia. Chaque fois ou jouer dans match, gain rival. Il y a en pile équipe qui chargée avec talent. Contrat professionnel Caitlin Clark là valable pour 4 ans et il vaut au total 338 056 dollars d'après document WNBA publié. Ça veut dire qu'il va toucher 76 535 dollars en 2024, 76 066 dollars en 2025, 85 873 en 2026 et puis 97 582 en 2027 si il décidait continuer à jouer pour Indiana Fever. Comparativement, choix numéro 1 Ligue nationale professionnelle messieurs yo NBA a Victor Wembanyama que équipe San Antonio Spurs choisit remporté un contrat 55 millions pour 4 ans. Première année avec équipe là, il était entré 12 100 000 dollars d'après Sporttrack qui c'est une compagnie qui traque contrat athlète. Gros différence ça dans salaire mesdames yo ak messieurs yo soulevé gros palais en pile ici aux États-Unis.
J'ai tout le monde braqué sous Caitlin Clark pendant le championnat basketball universitaire américain NCAA que l'Américain y aurait les March Madness, Folie Masla. Équipe Caitlin a arrivé dans la finale là, 7 avril, mais était perdu devant Caroline du Sud, 75 à 60. Match final, mesdames, il était attiré chiffre record téléspectateurs, à savoir 18 900 000 mounes, qui c'est plus parce que quantité qui était gardé match final, messieurs, yo. Pendant les dernières 15 minutes, le match a gagné 24 100 000 personnes qui t'ont suivi. Mamzelle, pas qu'il t'ait parlé en pilio, découragé. Lydie était content de jouer le moment sélectionné avec la famille, avec les personnes qui t'ont toujours appuyé et lui paraît pour jouer. This is the most competitive league in the entire world, less than 144 spots. So, Lydie, c'est ligue qui plus compétitif dans le monde là. Bien moins que 144 joueuses. Donc, faut que vous jouez bien chaque soir. Et c'est exactement ça, moi, pas le faire. Mais c'est exactement ça, moi, t'ai fait pendant carrière universitaire, moi. Quel que soit qui est-ce qui était opposant, moi, t'ai toujours paré et même genre. Avec même chaleur, même énergie, moi, quoi, c'est pigo à tout, moi, gagné. Dans le moment, ma première carrière, moi, dans WNBA. En attendant, marchandises qui portent nos mamzelles déjà à vendre, coupe à tes chaud. Pour Cause et Femmes, moi c'est Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Et puis, merci Sandra. Et puis, mes amis, Bayern de Munich contre Real Madrid et puis Dortmund contre Paris Saint-Germain. C'est quart de finale. Mes amis, c'est là que nous mettons fin dans le programme. Merci Fouet Klein, merci Fred Kaimit, Jean-Marc Hervé Abela, Gentil Augustin Junior. Moi, c'est Jacques Labellisère. Bonsoir et à demain. Yeah.